ce leçon, nous allons réaliser également cette belle introduction. Donc, je vous laisse également regarder cet aperçu. In this tutorial chapter, learn how to add new 3D tiles. About the A-Look most powerful video publishing software by the Sony Video Designer in Cameroon. Video fantasy up for the social media account to find about the new boss. Et oui, cette introduction a été réalisée également sur un des chefs Filmora juste en quelques clics. Imaginons un instant qu'il fallait passer des heures également sur le logiciel 3D pour réaliser ce genre de vidéo. Mais sur un des chefs Filmora, il vous suffit juste quelques clics et hop, vous aurez également ce type de rendement. Et passons également à la télépratique pour réaliser également cette belle introduction. Dans ma médiathèque, j'ai déjà importé mes métrages. Je vais tout d'abord déposer ma musique en fond. Écoutons ensemble la musique. Voilà, c'était juste pour vous faire écouter d'abord la musique. Avant de passer d'abord au montage, je vous conseille d'abord de faire ce qu'on appelle un script, c'est-à-dire une forme de storyboard. Nous avons ici là notre storyboard, c'est-à-dire notre script, notre plan de montage, bien également détaillé. Vous voyez également par exemple sur la scène 1, nous avons ici là le test 3D qui sera une discourse. Et nous avons ici là l'action, c'est-à-dire comment le test sera en mouvement. Vous voyez également qu'entrée percutante, en 3D des tests rapides. Et nous avons ici là voix off. In this tutorial chapter, avec l'effet sonore, c'est-à-dire le son FX, que j'ai bien également nommé. Et nous avons aussi la scène 2, et nous avons aussi la scène 3, et scène 4. On va aller au fur et à mesure pour la scène 1, in this course. Je vais sélectionner également ce test, et je vais faire CTRL-C pour copier. Je vais le copier. Je vais retourner sur Filmora. Je vais créer rapidement un nouveau test 3D. Et ensuite, je vais me rendre également dans ces réglages pour paramétrer ce test. Je préfère directement me rendre dans les paramètres avancés du test. Je vais agrandir cette fenêtre. Je vais sélectionner ce test et je vais le coller là. In this course. OK. Je vais réduire son échelle. C'est-à-dire, je vais réduire la taille de la police. Je vais mettre par exemple à 100. OK. Pour avoir plus de contrôle. En ce qui concerne le course, là, comme ceci, je vais faire CTRL-X pour le séparer. Je vais supprimer ce vide pour avoir également plus d'espace. Je vais déplacer également. Je vais d'abord supprimer l'animation d'entrée. Et j'ai tout prévu pour avoir plus de contrôle également sur ce que je veux faire. Je vais d'abord mettre test ici au-dessus. Je vais ajouter un autre test 3D. Je vais me rendre également sur l'onglet personnalisé. Et sur l'onglet personnalisé, je vais sélectionner ce test. Je vais faire la CTRL-V. OK. Je vais maintenant agrandir ce test. Je vais mettre par exemple ce test à 150. En maintenant, Shift pour sélectionner ces deux tests. Je vais me rendre également dans la typographie. Je vais choisir une typographie. Je vais choisir Futura Ball. Là, ça me va. Parfait. Nous avons comme ça notre premier test en 3D. La première étape que nous allons faire, nous allons d'abord mettre tout en place. C'est-à-dire, nous allons d'abord faire la mise en place. Avant de revenir également gérer les animations qui seront les phases finales avec le son, son design. OK, je vais appliquer. Je vais également faire la CTRL-C. Je vais me rendre également à la suite de ça. Je vais faire CTRL-V. Je vais également modifier ce test qui vient de coller. Je vais me rendre également dans le document du script pour copier également notre test. Je vais venir là sur la scène 2. Je vais d'abord copier ce test. You will lean. Je vais me rendre directement dans la fenêtre avancée. Je vais sélectionner également ce test. Je vais le modifier. Je vais coller. On a d'abord cette première phase. Je vais modifier également son échelle. Je vais mettre par exemple ici à 80. Elle est un peu grande. Je vais encore modifier. Je vais mettre là à 50. You will lean. OK. Je vais me rendre également dans le document script. Je vais encore sélectionner notre test. How to add. Je vais faire la CTRL-C. Je vais revenir dans Filmora. Je suis chez Filmora. Je vais sélectionner maintenant ce test. Et ce test, je vais faire CTRL-A. Puis, je vais faire CTRL-V pour coller également le test que je viens de copier en presse-papier. Je vais aussi réduire son échelle. Je vais mettre là par exemple à 100. Je vais mettre également ce test comme ceci. You will learn how to add. OK. Je me rends encore dans le script. Et ensuite, je vais copier également ce test 3D. CTRL-C. Je vais ajouter encore notre test 3D rapide. Je vais descendre et reviens également dans personnaliser. Je fais la CTRL-V pour coller également le test 3D et j'ai augmenté son échelle.
je vais mettre par exemple à 150. Et celui-ci, How to Add, je vais mettre par exemple ici à 80. Et ce test, je vais modifier, je vais mettre ici là à 35. Je vais le déplacer comme ceci là. Je vais appliquer. Nous venons comme ça de créer un deuxième test. Nous avons cela. Notre premier test. Ensuite, nous avons cela. Un deuxième test. Je vais d'abord dupliquer également ce test. Je vais faire CTRL-C. Et ensuite, je vais me mettre à la fin de ça. Je vais faire CTRL-V pour coller. Je vais me rendre également dans ce paramètre de modification avancé. Et ensuite, je vais modifier ce test. Je vais coller. Je vais également séparer ce test. Je vais coller ce test. Je sélectionne ce test et colle également ce test. Okay, je vais maintenant gérer la mise en place. Je vais agrandir le test. Non, pas comme ceci. Je vais agrandir également ce test. Bon, déjà là, ça me va. Je vais cliquer directement sur appliquer. Nous avons comme ça un troisième test. Nous allons nous rendre également sur notre script. Étant sur notre script, nous allons prendre également ce quatrième scène. C'est oui, Chamale, à base. Exactement, c'est bien moi, c'est le beau gosse. Bon, voilà. Et nous avons ici là les détails comme entrée percutante de la photo. Je vais d'abord copier ce test. CTRL-C pour copier. Et sur Wondershare Filmora, je vais créer un autre test 3D. Je vais le reculer d'abord là. Et je vais aller dans ces réglages avancés. Je vais également coller mon test. On revient également ici. On copie. Je vais changer sa typographie. Je vais prendre bien évidemment la police qu'on a utilisée précédemment. Je vais déposer ce test ici aussi dessus. Et je vais monter un test 3D. Pour ce test 3D, je vais coller également ce nom Chamale. Je vais sélectionner les deux tests. Je vais modifier les tailles. OK. Nous allons maintenant ajouter l'arrière-plan à cette partie. Je vais me rendre également sur cette icône. Vous allez comprendre l'importance. Je vais me rendre également sur cette icône. Et sur cette icône, ça c'est au cas où, si vous n'avez pas importé vos métrages sur Wondershare Filmora, vous serez obligé de passer également par cette méthode où il faut aller chercher l'image. Vous voyez, par exemple, je vais prendre par exemple cette photo. Et je vais le positionner en arrière, le mettre en arrière, là, comme ceci. Je vais réduire son échelle. Nous venons comme ça d'effectuer la troisième partie de notre mise en place. Je vais appliquer. Nous avons maintenant la cinquième scène. Qui est « Don't forget to follow her ». Ce test ne sera pas en 3D et ce test sera en 3D. Test pareil ne sera pas en 3D. Ce test sera pareil. Je vais faire la CTRL-C. Je vais faire la CTRL-V pour coller. Je vais me rendre également sur mon script. Je vais sélectionner « Don't forget ». Je vais directement aller dans les options avancées. C'est mieux de passer par les options avancées pour avoir plus de contrôle. Et ce test-ci, je vais d'abord le supprimer. Et ce test aussi, je vais le supprimer. Je vais ajouter un test, mais ici, là, pas un test 3D. Je vais le mettre ici au-dessus. Je vais modifier également ce test. Je vais coller également le test que je viens de copier dans la presse papier. Et faire la CTRL-A pour sélectionner également ce test. Et je vais modifier sa taille. Je vais mettre par exemple ici à 40. Non, je vais mettre par exemple ici à 35. OK, là, ça me va. Je vais encore créer un nouveau test. Je vais venir là, saisir ce test. Nous venons comme ça de faire ce qu'on appelle la mise en place. Et nous allons maintenant passer à l'animation avant de passer au design, c'est-à-dire l'habillage final. L'habillage final, c'est comme l'aboutir, la phase finale, c'est comment gérer les couleurs, les textures, tout comme ça. Parce que ce sont les étapes aussi qui prennent beaucoup de ressources. Si vous n'avez pas une machine assez puissante, vous serez en train d'épuiser beaucoup votre ordinateur. Donc, il est mieux également que vous travaillez étant très optimisé en suivant également certaines étapes pour alléger votre ordinateur. OK? Sur la scène 1, nous avons cela, entrée percutante en 3D rapide. Ça veut dire que je dois faire l'animation de ce test 3D rapide. Je vais revenir là. Je vais saisir ici là son FX de surprise. Voilà. Je viens ici. Je vais saisir ici là son FX de surprise. Je vais glisser le déposer sur ma timeline. OK. Je vais reculer également cette musique. Je vais aller chercher également les préfigures d'animation de ce test 3D. Je me rends dans ses propriétés de base. Dans ses propriétés de base, je vais aller dans avancer. Dans avancer, je me rends également sur animation. Et sur animation, nous allons choisir un test d'entrée. Nous allons choisir OK. Voilà, ça me parle. Je vais sélectionner ces deux tests et je vais cliquer là. Là, comme ça, je vais appliquer deux animations sur ces deux tests sélectionnés. Ça nous permet d'aller encore plus rapidement. Voilà, vous écoutez directement qu'il y a un tambour qui sonne au départ. OK. Lorsque ça vient là, il ne faut pas que ça vienne caler là. Il faut que ça continue le mouvement pour reculer par derrière. OK. Et je vais d'abord appliquer. Je vais maintenant retourner également dans les propriétés de base qui est la vidéo. Ici, dans vidéo, je vais maintenant activer les clés d'animation.
Je vais d'abord revenir quelques images à partir d'ici. Je vais activer également la clé d'animation. Je vais encore revenir là à partir d'ici, comme ceci là. Je vais activer l'animation, mais en faisant sortir également le test 2. Là, il est en train de sortir. Maintenant, je vais revenir dans les options de titre pour choisir encore l'autre prédéfini d'animation, mais l'animation de sortie. Je vais revenir également sur cet onglet animation. En ce qui concerne l'animation de sortie, nous allons choisir par exemple. Ok, j'aime bien ceci. Je vais cliquer là-dessus. Là. Je vais cliquer sur avancer. Vous remarquez que l'animation que nous avons appliquée tout à l'heure ne s'est appliquée rien que sur le test course. Donc, nous allons aussi appliquer cette même animation de fin sur notre test de sortie. Je reviens également sur animation. L'animation, je prends le test indice. Je vais appliquer également l'animation de sortie. Maintenant, je vais gérer la durée d'animation de fin de ces deux tests. Ces tests-ci. Ici, à 1, je vais mettre à 0. Fin une durée de 15 tiers. Je vais sélectionner l'animation de cours de sortie. Je vais aussi venir là et mettre ici à 15 secondes, à 15 tiers, autant pour moi, parce que ça c'est le tiers, ici c'est le seconde, ici c'est minute, ici sont les heures. Là comme ça, nous aurons une animation assez bien rapide. Ok, pour ce qui concerne l'animation d'entrée, elle m'a l'air encore plus lente, nous allons accélérer encore plus, c'est-à-dire nous allons gérer la durée d'animation d'entrée. Je vais venir par exemple, là où il y a 1 ici là, je vais mettre à 0, et venir là où il y a 15 ici là, je vais mettre par exemple ici là à 25. Je vais copier cette animation 25, je reviens également sur l'animation indice. En ce qui concerne l'entrée aussi, je vais sélectionner là où il y a 15. Je mets la CTRL V pour mettre à 25. Et ici, là où il y a 1, je vais le remettre à 0. Comme ça, nous avons également l'entrée d'animation bien définie pour les deux tests. Ok. Voilà. Nous avons ça. Ok. Nous allons encore retourner pour régler l'animation de l'échelle. Je vais appliquer. Je vais retourner également dans vidéo. Dans vidéo, je vais gérer l'animation l'échelle. Je vais d'abord retourner en cliquant ici là et hop directement. Je vais zoomer également pour voir plus sur ma timeline. Je vais reculer avec mon curseur. C'est à partir d'ici là que l'animation d'échelle commence à être effectuée. Voilà. Ok. Je vais réduire également l'animation globale de ce test pour qu'il soit encore plus rapide. Voilà. Mais déjà, à partir de là, il ne faut pas que ça vienne rester. Il faut que ça sorte directement. Vous voyez? Ok. Bon, nous allons régler ça à partir d'ici. Comme ceci. Ok. Là, nous venons comme ça d'effectuer notre animation. Ok, parfait. Maintenant, nous allons gérer l'animation du deuxième test. Je vais d'abord activer la musique parce que la musique va commencer à arriver à un moment donné à partir d'ici. Voilà. Ok, on revient également dans le script. Qu'est-ce que le script explique ici, là, entre les tests percutants? C'est-à-dire que l'animation de ces deux tests entre ensemble. Learn how to add new 3D tiles. Je reviens également là, mais ici, là, je vais plutôt gérer l'animation directement dans les propriétés, c'est-à-dire la transformation. Dans la vidéo, je vais activer également la clé d'animation sur l'échelle. En entrée et en sortie, nous allons me mettre également la clé. Je vais positionner par exemple à cet endroit, si je mettre également une clé et je vais agrandir mon test. Là, comme ça, il va quitter un peu comme ceci. Il va se positionner là comme ceci. Le test est là, par exemple là, je reviens, j'active également la clé. Je me positionne également à la clé précédente, là, comme ceci. Je monte également l'échelle, comme ceci. Là, nous avons ce type d'animation. Ok, bon. En ce qui concerne également le test How to Lean, nous allons gérer avec la transition. Voilà. Je reviens également dans les propriétés vidéo. Dans propriétés vidéo, je vais reculer également cette clé. Ok. Je vais couper l'extrémité de ce son. CTRL B pour façonner. Je vais désactiver mon auto-ondulation. Je vais reculer également l'extrémité ici. C'est une zone morte. Je vais descendre également cet audio. À partir de cette entrée-ci, là. J'ai un beat qui va faire entrer le son. Ok. Là, ça commence à aller. Je reviens également à ces clés. En ce qui concerne également ces clés.
Je reviens également sur ces clés. Je vais réduire également son échelle. OK. Voilà, nous avons également ce type d'animation. Et nous allons gérer aussi la durée de ce test. Nous allons retourner dans titre. Dans titre, nous allons choisir une animation prédéfinie. Mais pour la fin, nous allons choisir ce prédéfini. OK. Un instant, il se peut également que nous allons s'appliquer seulement sur... Nous allons appliquer tout ça sur les tests 3D. OK. Maintenant, nous allons gérer la durée. Nous allons mettre tout ça à 15. Je vais sélectionner CTRL-C. Je reviens également sur ce test. Je fais la CTRL-V. Je reviens également sur ce test. Je fais la CTRL-V. OK. J'ai valide. Maintenant, nous avons ce type d'animation. Je vais d'abord reculer comme ceci. Je reviens également dans ses propriétés de base. Dans ses propriétés de base, ce test, c'est une minute. Je vais d'abord réduire sa durée. Ce test, 15 secondes aussi. OK, je reviens également dans la vidéo. Dans la vidéo, je vais reculer également ces clés. Voilà. OK. Je vais encore choisir d'autres animations pour appliquer également à ce test Filmora. Je vais d'abord enregistrer. CTRL-S pour enregistrer. Je retourne également dans mon script. Dans mon script, nous avons également ce test. Et ici, là, nous avons toujours l'entrée percutante en 3D, test rapide. Je reviens également sur le chef Filmora. Mais ici, je vais revenir dans les paramètres avancés du test. Paramètres avancés. OK. Une fois dans les paramètres avancés, nous allons choisir également l'animation. Pour ce qui concerne également l'animation d'entrée, nous allons choisir par exemple. Je vais cliquer, je vais prendre par exemple ceci. Je vais sélectionner les autres, je vais valider là pour l'animation d'entrée. En ce qui concerne l'animation de sortie, je vais aussi prendre ça. Je prends ceci. Là, comme ça, nous avons l'animation de sortie. En ce qui concerne également la durée, je vais mettre à 15 secondes. Je vais mettre ici la 15 secondes pour la fin. Je reviens ici sur ce test. Je mets la CTRL-V. Puisque j'avais déjà copié également dans ma presse papier, voilà. Nous avons également ce type d'animation. OK. Je reviens également dans mon média. Dans mon média, vous allez vous en rendre compte que le son FX est apparition du test. J'ai déjà nommé cela apparition du test pour le son FX. En ce qui concerne ce son FX, je vais le supprimer. Je vais également mieux positionner là, comme ça, là, pour avoir une bonne entrée. Je vais augmenter son volume. Je vais encore mieux le reculer, comme ceci. OK. Je vais mieux le reculer là comme ceci. Là, je fais la CTRL-B pour fractionner mon audio. Je vais lire pour voir déjà à quoi ça ressemble. OK. En ce qui concerne également l'animation de sortie de Filmora 12, je vais aller dans les propriétés de base. Dans les propriétés de base, je vais me rendre également sur vidéo. Dans vidéo, moi, je vais gérer ça avec l'échelle. Une fois, j'active également mes clés. Je reviens à la fin. Je réduis également mon test. Je m'en vais également sur l'opacité. J'active également. Je m'en vais d'abord sur la clé précédente. Je remise ici. Je reviens également sur la clé précédente. Comme ça. J'active également mon opacité. Je reviens également sur la clé suivante. OK. Je baisse mon opacité.
Comme ça, nous avons ce type d'animation. Voilà, je vais encore reculer cette animation. Je vais enregistrer ça comme ceci. Voilà. Pour ça, nous avons ce type d'animation. Ok, nous avons un autre beat qui est en train d'arriver. En ce qui concerne également ce beat, je vais d'abord le faire disparaître. Je vais reculer également cette partie-là. Non, jusqu'à là, je reviens là comme ceci. Ok, là comme ça, nous avons une bonne durée à partir d'ici. Nous venons comme ça de bien réaliser également cette partie. À la quatrième, c'est nous avons la photo et nous avons le texte. Nous allons faire d'abord l'animation de la photo pour ce qui concerne également la quatrième scène. Et nous sommes bien évidemment sur la quatrième scène. Je retourne également dans ces propriétés de base. Et dans les propriétés de base, je retourne également dans avancer. Puisque nous sommes déjà partis ici. Ok. Nous allons écouter l'audio à partir d'ici. À partir d'ici, directement que la photo fait son entrée. J'ai sélectionné ma photo et je vais également dans les prédéfinis d'animation. Dans les prédéfinis d'animation, je vais choisir également l'un des prédéfinis. Je vais choisir par exemple zoom diagonal. Non. Ouais, je vais appliquer également ce prédéfini. Ok. Voilà. J'aime bien. Donc, j'ai appliqué également cette animation sur ma photo. Pour ce qui est des tests, je vais sélectionner également ces tests. Pour ce qui est des scènes d'entrée, je vais lui appliquer une animation. Voilà, ceci. C'est bon. Ok, pour ce qui est de la durée, nous allons d'abord regarder notre vidéo. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Bon, donc je vais sélectionner tous mes tests. Comme c'est à sélectionner, je vais d'abord réduire également comme ceci. Je vais d'abord laisser faire apparaître d'abord la photo. Ok, là comme ça, nous avons ce type d'animation, ce qui va permettre de respecter le rythme et le beat du son. La photo est sur le point de repartir. Ça veut dire également que je vais aussi appliquer l'animation de sortie à la fin. Je vais appliquer également cette animation. Je vais sélectionner également ce test. Je vais appliquer l'animation comme c'est cela. Pour ce qui est de la durée de fin, pour ce qui est la durée de fin. Une fois terminé, je vais cliquer également sur appliquer. Ok, nous avons cette animation. Ok, maintenant ce que nous allons faire ici là, c'est que nous allons donner vie. Nous allons donner vie parce qu'à un moment donné, ça vient cette année là et avant de repartir. Donc, je vais revenir également dans la vidéo. Dans la vidéo, je vais aller dans les échelles. Dans l'échelle, je vais activer également la clé d'animation. À partir de là, je reviens à partir d'ici. Je commence à réduire l'échelle, comme ceci. Et je vais reculer également mes clés d'animation. Je vais aussi reculer mes clés d'animation. Là, comme ça, il y a un clip qui vit. C'est-à-dire, ça ne vient pas rester là fixe. Ok, nous allons passer maintenant à la cinquième scène. La cinquième scène, c'est entrée percutante du test. Ok, à partir d'ici, lorsque le test va être passé. Là, quand l'autre test est parti. Ok, à partir d'ici, nous allons également choisir prédéfinir l'animation. Je vais venir là, dans animation. Dans animation, je vais choisir. Boom, voilà, une fois. Comme ça, nous avons. Les tests 3D, nous avons également ce type d'apparition. On va également ajouter un son FX. Je vais faire également CTRL-C. Je reviens également sur cette piste. Je sélectionne cette piste et fais CTRL-V. Comme ça, mon son FX va se positionner également à cette partie. Je vais zoomer pour mieux voir également. Je vais mieux le positionner là comme ceci. Ok, nous allons maintenant donner encore vie parce qu'il ne faut pas que ça vienne et ça commence à rester figé.
Je m'en vais dans Basic. Dans Basic également, je vais encore donner vie, hein, mais ici, je vais donner vie plutôt sur les échelles. Je vais activer également la clé d'animation sur l'échelle en entrée et en sortie. Quand il t'a fait un boom, je réduis également l'échelle. Comme ça, cette clé, si je veux reculer là, et nous aurons également cette animation. Voilà. À partir d'ici, il y a le test. Ok, à partir d'ici, il y a le test de la partie. Nous aurons un truc comme ça. Voilà, nous aurons également cette partie de test qui va disparaître, qui va sortir également de l'écran. Et nous sommes bien évidemment à la dernière séquence, à la dernière scène. Voilà, et pour la dernière scène, on va justement choisir l'animation prédéfinie. Nous allons nous rendre également dans. Nous sommes bien évidemment toujours sur les basiques. Et sur les basiques, nous allons nous rendre sur animation. Et sur animation, nous allons choisir une animation fondue. Voilà, je vais double-cliquer dessus pour appliquer également cette animation. Je vais maintenant façonner mon audio pour supprimer également cette extrémité. Je vais terminer également avec un son True FX, son de percussion. Par exemple, son de surprise, ben, pourquoi pas toujours utiliser ce que nous avons utilisé au début. Je vais là, je vais fractionner également cette extrémité. Là, comme ça. À partir d'ici, on va revenir là. On va mettre la partie d'ici. On va mettre là, à partir d'ici. Ok, bon, là, on va maintenant régler le fade out, c'est-à-dire fondu de sortie sur notre audio. Donc, je vais revenir dans ces paramètres et je vais revenir également sur fondu de sortie. Je vais appliquer également un fondu de sortie. Là, comme ça, nous avons un fade out, c'est-à-dire un fondu de sortie à notre audio. Voilà. Nous avons terminé également pour le faire la mise en place, que ce soit l'animation, que ce soit le truc. Nous allons appliquer. Normalement, c'est la voix off que j'avais enregistrée. Nous allons maintenant gérer la voix off. J'ai cette voix off et je l'ai mis également sur ma timeline. Je vais maintenant gérer également cette voix off puisque sur notre script, nous avons ici là au départ un discours, un tutoriel, voix off, un tutoriel. Nous allons maintenant aller écouter l'audio individual chapter. Je vais d'abord muter les 16 audios. Ma voix, je vais augmenter son volume. Je vais me rendre à ses problèmes. Dans ces paramètres, je vais donc normaliser pour augmenter ses volumes ou la normalisation et normaliser. Voilà, comme ça, le volume va être encore plus au max. Je vais augmenter le volume. Ah, comme ça, j'ai plus de volume sur mon audio. Individual chapter. OK. Et à partir de hier, là où je suis à parler, je vais d'abord fractionner mon audio. Je vais reculer à partir d'ici. Et là où également cet audio va commencer encore à parler. Parce qu'en fait, c'est mot à mot. Ça suit également là où le test apparaît. Ça en ce moment que le test. Et how to add nudity. Voilà. Donc, je vais carrément reculer ça comme ça. Et en ce qui concerne pour le début, je recule. In this tutorial chapter. In how to add nudity to the title. Voilà. Désolé pour ma façon de m'exprimer, je me débrouille encore en anglais. About a looking most powerful video publishing software by the song Bonne Vidéo Design Cameroon. Puis le Fantasy Hub. Voilà, vous voyez directement. Ok, je vais donc activer également mes audios. What the fuck? Be how to hide the joy that's not. Be how to hide the beauty to be the tower. About the EA look most good for the new piece of the way by this one of the video and the tower. It is pretty simple, for this is a big apple. You find an apple within your boss. Okay. Voilà, la fin, on peut même ajouter un autre test. Donc, pour le test, nous allons mettre une typo. Nous allons revenir dans titre. Dans titre, nous allons changer le titre. Nous allons mettre également là. Et je vais choisir style. Je vais choisir également ce style. Je reviens dans avancer. Je viens le centrer.
J'ai choisi également une police, j'ai choisi la Beba. J'aime bien également cette police. Et centrée et appliquée. Voilà. Nous venons comme ça de réaliser ensemble une belle introduction en utilisant également cette nouvelle fonctionnalité de 3D test secondes de chez Filmora. Alors, regardons ensemble l'aperçu avant de passer au texturage. Je vais appuyer la alternative plus entrée pour mettre ma vidéo en plein écran et appuyer sur play pour lire ma vidéo. In this tutorial chapter, learn how to add new 3D tiles. About the A-Look most powerful video preparation software by the Sony Video Designer Camera. Video focusing up for the social media account. You find about the new box. Voilà, nous allons d'abord gérer la texture de chaque test, c'est-à-dire donner encore plus de dizaines de beauté. Mais ceci va dépendre également de votre arrière-plan. Vous voyez, par exemple, je vais me rendre également dans Média Libre. Dans Média Libre, je vais me rendre sur Filmstock. Sur Filmstock, je vais choisir également un dégradé parce que j'aime bien également le dégradé. OK, je vais choisir également ce dégradé-ci. Rassurez-vous également de votre auto-organisation. Je vais d'abord le désactiver et ensuite, je vais prendre également ce dégradé et le positionner sur ma timeline. En fait, je vais sélectionner également ces calques. Je vais les déposer ici au-dessus, comme ceci. Et je vais faire descendre également ce calque qui est le dégradé. Je vais augmenter sa durée. Voilà. En ce qui concerne maintenant le design, c'est-à-dire la beauté du test 3D, nous allons nous rendre également dans ses propriétés de base. Alternatif plus E pour accéder rapidement dans les propriétés de base d'une vidéo, c'est-à-dire dans les paramètres, dans les réglages. Et nous allons cliquer également sur le bouton avancer. Nous avons déjà chanté plusieurs fois pour ça. Mais il est mieux également que vous puissiez comprendre également, que vous puissiez mémoriser également ces raccourcis. Maintenant, nous allons choisir un design. Je vais me rendre dans les préglages. En ce qui concerne test course, je vais par exemple choisir ce prédéfini. Nous allons appliquer également ce modèle de texture. Pour ce qui concerne également ce test, nous allons choisir par exemple ce modèle. OK. Et appliquer. Nous allons faire pareil pour les autres. Nous allons choisir également notre design. Je vais d'abord valider ici et je me rends également dans ma médiathèque. Dans ma médiathèque, je vais importer également un sound design, voilà, pour le test. Je vais d'abord ajuster pour mieux voir également. OK. En ce qui concerne les sorties, nous allons voir à quoi ça ressemble pour la sortie, là, comme ceci. How to add. CTRL-C, je vais faire CTRL-V, je reviens également. Quand le test va sortir, j'applique également cet effet. Donne encore plus de dynamisme. About the A-Look most powerful. OK, lorsque je t'ai parlé, CTRL-C, CTRL-V. Partie d'ici. OK, là comme ça, ça va. Most powerful video publishing software by the Sony Video Designer. Voilà, il fait encore CTRL-V. Maintenant ici. À partir d'ici, quand le test est tenté d'arriver également, je vais aussi appliquer un son FX pour donner encore plus de dynamisme. À descendre la vidéo dans le caméra. Voilà, je vais encore appliquer le son FX. Maintenant, c'est lorsque le test va faire son. Maintenant, c'est lorsque ce test va faire sa sortie, je vais me positionner par nom là. Et bien, accord. You find our video box. OK. Pour ce qui est de la musique de fond, nous allons également baisser son audio parce que ça domine un peu ma voix. Vous voyez, ça domine un peu ma voix. Donc, je vais baisser un peu son audio comme ceci. In this tutorial chapter, learn how to add new 3D tile. About the A-Look most powerful video preparation software by the Sony Video Designer Camera. The fantasy up for the social media account. You find about the new boss.
Donc, nous sommes à la phase de notre motion graphique, notre motion design. Nous avons vu comment exploiter également cette nouvelle fonctionnalité de test 3D de Wondershare Filmora. Et on peut aller encore plus loin. On peut vraiment encore pousser cette animation. On peut encore apporter d'autres effets plus à notre vidéo. About the AI look most powerful video publishing software by the Stronger Video Designer in Cameroon. The fantasy up for the social media account to find about the new boss. Et c'était tout pour cette vidéo. Le retrouvons-nous à la prochaine vidéo.